J'étais venu pour trouver des écloses. Ah ouais, hein? Et puis des écloses dans un bâtiment normal, ça n'excite pas. Par contre, t'es pensé comme ça? Ah ouais, ouais. Là, c'est beaucoup plus excitant, madame, monsieur. C'est alors que je me suis retrouvé au sein d'un groupe d'intellectuels très courtois, dissertant autour de la notion de rêve. Alors j'ai décidé de participer à leurs expériences, et j'ai rejoint le pays des songes, à coups de matraque. Oh putain, merde! T'es en chine, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, recule, tu vas prendre un coup pour rien, ça a pas de cerveau! Ça a pas de cerveau, ma couille! C'est ça, la vie de bohème! Les relations couilles-cerveau! J'adore! Allez, maintenant, c'est parti! Un petit peu d'urbex, bordel! Les rêveurs ont cessé de palabrer, la caravane s'est vidée, c'était le moment de rentrer. Que quand vous êtes devant un tel bâtiment, l'envie est plus forte. Donc, on y va, c'est parti, vous me suivez, allez, en avant! Surtout que là, c'était parfaitement autorisé, c'était journée porte ouverte. Les municipalités ont toujours la volonté de rendre leur grand projet participatif. Et quel projet ! Oh ! Dire qu'ils veulent en faire un supermarché casino ! Il y a pas à tortiller du caddie ! À cet endroit-là, ce serait jackpot pour l'enseigne. Mais pour l'instant, il y a des barrières, alors pas touchant. Ça peut être tranchant tout ça. De toutes les façons, nous sommes sauvés, il y a tous les architectes sur le coup. Ouais, puis avec eux, attention, oh, c'est pas de l'amateurisme. Ce sont les vrais maîtres après Dieu, hein. Il y en a beaucoup qui prétendent même l'avoir inventé, hein, carrément. Ah oui, 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 tant qu'à faire. La réoccupation de ce patrimoine industriel pour lui redonner vie. Oh, quelle bonne idée! Tout en conservant son intégrité architecturale. Bah oui. Ça, c'est absolument fondamental. Il était hors de question, à travers notre travail, bah non, que nous détruisions, que nous altérions l'intégrité architecturale de ce bâtiment, évidemment, que ça soit en intérieur ou en extérieur. Ta gueule ! Bah ouais, mais le problème des architectes, c'est que dès qu'ils pénètrent dans un chez, ou partout ailleurs du reste, bah ils se croient chez eux et ils fermentent. Et puis ils se mettent à vouloir construire des... Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon toi. C'est très tendance dans les classes supérieures. Le point d'orgue de notre projet, c'est effectivement ce rooftop qui est un espace ouvert à tous. Et pendant que les bâtisseurs se perdaient en conciliabule à s'en décrocher les mandibules, le véritable travail d'embellissement avait déjà commencé. Grâce au peuple des Babies, il n'y aura plus jamais de chef-d'œuvre en péril. Mais des Westlands ressuscités, formant de véritables musées à ciel ouvert. Mais dans ces coups de temps-là, n'oublions surtout pas ce que dirait le célèbre philosophe des friches Bébix. Ça fera un sacré putain de bel urbex dans quelques années, tout ça, les gars. Lorsqu'ils auront réhabilité la friche et qu'elle sera de nouveau abandonnée, des années de spray après. L'éternel recommencement de l'histoire. Meurf. Ah, celui-ci, il est tout frais, il vient d'être fait à l'instant. Oh, c'est énorme. Et je confirme, l'artiste nous pond ça en deux coups de cuillère à peau. C'est impressionnant.